Et salut les amis, c'est Amélan, on se retrouve sur Monster Hunter World Iceborne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment battre la Latreon. On va regarder quand même pas mal de trucs dessus. Je l'ai solo. Donc là, du coup, c'est une vidéo capturée via le PS4 Share. Hein, du coup, parce que j'étais en train de faire un try et j'avais pas lancé la capture parce que je pensais pas le vaincre facilement comme ça. Donc du coup après on ira voir à la fin de cette petite vidéo du coup tout l'équipement que j'utilise. On va voir après, on va discuter un petit peu de la Latreon, de ses mécaniques de combat. Donc la Latreon, hein, c'est un monstre, il faut vraiment utiliser de l'élément contre lui en permanence, hein, c'est un peu compliqué. Pour le cancel, en plus on pop directement sur lui, donc faut quand même se dépêcher. J'ai mis carnassier, hein, pour prendre les objets un peu plus rapidement. J'ai aussi pris acier trempé pour aiguiser mon arme avec le tranchant, ne diminue pas du coup. Très important. Et j'ai une arme Gjar, hein, j'ai une arme Gjar Dragon, Gjar Val, que j'ai amélioré un petit peu. Là, j'ai pas le choix de déguiser mon arme et de prendre des dégâts. Hein. Et je suis full Safijiva. Full Safijiva, vous savez que c'est pas un truc que j'apprécie énormément, c'est un peu dangereux. Du coup, j'ai comblé, on va dire, le problème avec, avec le petit palico qui soigne avec la Vitaguette. J'ai pas la Vitaguette qui réanime par contre, hein, parce que du coup, je l'ai jamais monté au-dessus. Si je l'avais eu, du coup, j'aurais eu 0 mort, hein, j'aurais peut-être une petite chance de survie. Parce que j'ai quand même fait une mort, hein, j'ai quand même fait une mort. Donc du coup, la Latreon va changer d'élément tout le temps. Du coup, moi j'ai pris une arme dragon. L'arme dragon, ça marche sur lui tout le temps. Parce que si tu prends une arme feu, c'est fort contre la glace. Mais s'il devient feu, ton élément feu ne va servir à rien. Donc moi je pense qu'il faut quand même vraiment prendre une arme dragon. C'est quand même beaucoup plus, on va dire, moins aléatoire. Parce que du coup, si t'as une arme effectivement feu, ça doit faire de bons dégâts sur la glace. Mais après, si le monstre devient invulnérable à cet élément, ça peut être compliqué. Et donc, la Latreon a une super attaque en fait. Hein. Il a une super Nova. C'est ça qui fait perdre les parties. Hein. Ça one shot carrément si tu ne le cancel pas. Donc pour le cancel, en fait, hein, c'est comme le Glavenus ou le Devil Joe. Vous savez, quand on fait de gros dégâts sur eux, ils tombent à la renverse en arrière, vous savez, ils sont bien cancel quoi. Et ben c'est ce qui va se passer justement contre la Latreon. Si vous faites des dégâts élémentaires suffisants, en fait il y a des dégâts à atteindre, hein, si vous n'atteignez pas les dégâts, et ben le monstre, la supernova, va vous one-shot. Il faudra prévoir des viandes d'Astera aussi pour régénérer votre vie qui va diminuer pendant la supernova. La supernova c'est comme celle de la Lunastra, hein, donc du coup il faudra vite prendre une viande d'Astera. Là du coup je viens de le faire tomber par terre avec les capsules. Donc les seules fois où j'ai réussi à lui faire prendre un mur, on va dire entre guillemets, c'est quand il vole. Hein. J'ai jamais réussi à lui faire prendre de mur au sol. Alors je sais pas si on peut, hein. Moi je vois pas trop de murs sur la carte, donc du coup j'ai vraiment attendu qu'il vole à chaque fois pour lui faire prendre des murs. J'ai pas réussi à lui casser les deux cornes, hein. J'en ai cassé qu'une seule. On ira voir le stuff à la fin de cette vidéo aussi. Hein. Et du coup on verra pour le stream, je pense plutôt ce week-end, hein, parce que j'avais prévu vendredi. Mais je pense plutôt samedi parce qu'on va laisser un petit peu le temps aux gens de se préparer au combat. Parce que là c'est un petit peu trop tôt je trouve. Hein. Hey, on a un problème. Sinon le combat lui-même est plutôt simple. Hein. Il n'est pas très compliqué. C'est vraiment la Nova qui pose problème en fait. Hein. Si tu arrives à canceler la Nova à chaque fois, bah, c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo. Le combat est plutôt agréable. Alors après j'ai une grosse résistance élémentaire aussi, hein. J'ai une grosse résistance élémentaire, je me suis mis quelques joyaux élémentaires en résistance. Full Safijiva plus de la bouffe élémentaire, ça fait que j'ai quand même une résistance plutôt élevée. Quoi. Oui, je prends quand même de bonnes patates. Hein. De bonnes patates, mais bon... Alors moi du coup, moi, pour le combat, je suis pas très fan des mécaniques de one-shot encore une fois. Hein. Je suis pas très fan des mécaniques de one-shot. Après le combat ça passe, hein. Le combat ça passe. Par contre du coup, ça limite le gameplay à certaines armes. Et puis bien sûr à certains éléments. Du coup le mec qui joue Gunlance, bah, c'est mort pour lui. Le mec qui joue à la lance, j'imagine aussi. Peut-être que le mec au gros épée, je sais pas. Moi je connais pas trop le niveau élémentaire, si une grosse épée ça fait de bons dégâts. Mais en tout cas, vu qu'il faut jouer élémentaire, ça limite un petit peu ton gameplay. Du côté one shot, bah là, c'est comme les boss de raid sur World of Warcraft. Hein. C'est-à-dire que si tu n'appliques pas la strat ou tu te dis, bon bah là j'ai pas fait assez de dégâts, en solo, bah tu perds une vie. Donc c'est encore, tu peux encore avoir des erreurs, hein, d'accord. Mais en multi, si vous êtes 4... C'est fini, vous êtes mort. Il n'y a pas de retour au campement en fait. Hein. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas utiliser le téléportogène, faire le plein de munitions, vous buff ou vous barrer pour annuler l'attaque. Ça ne marche pas, ça n'existe pas. Donc, du coup, faut faire attention. Ouais, c'est un de mes trails, hein, vraiment. Je vous montre. Parce que du coup, je suis comme vous. Hein, j'ai testé à peu près une dizaine de fois le combat. J'ai testé différentes armes, différents stuff. Et le stuff Safi, là, effectivement, il marche bien. C'est un monstre qui est un peu gros, la Latreon. Donc, je loupe pas trop mes coups sur lui. Donc, le soin propre, quand même, souvent.
De toute façon, je vous montrerai le stuff après. Hein. Donc je vous laisse en commentaire me dire qu'est-ce que vous pensez du combat. Est-ce que vous l'avez tué? Est-ce que vous trouvez que c'est peut-être trop dur? Parce que du coup, c'est vrai que c'est un combat qui est peut-être pas très accessible hein, quand même. Là, pour le coup, c'est un peu comme le Behemoth. Hein. Je le mets dans la catégorie Behemoth. Où pas tout le monde va pouvoir, je pense, le battre tranquillement. Quoi. Moi, je vais essayer de vous aider pendant le stream. Mais là, le stream, j'ai bien peur que ça va être compliqué parce que une seule erreur, si on n'a pas le DPS, c'est wipe direct. Hein. Et en plus, le monstre peut vous tuer sans la supernova. Regardez bien là. Vous voyez, je l'ai cancel là. Vous avez réussi à affaiblir la Latreon. Continuez comme ça. Quand vous avez ce message là, la supernova qui va faire beaucoup moins de dégâts. Elle va quand même faire mal, attention, hein, mais beaucoup moins. Donc, je vous conseille la viande Astera ou prendre des potions avec Carnassier ou peu importe, mais en tout cas, voilà. Peut-être. Avoir un support avec vous, peut-être, je sais pas trop. Moi, j'ai fait ça en solo, donc... Là, maintenant, je pense que je peux le farmer en solo tranquillement. Mais bon, c'était quand même pas simple. Hein. C'est un combat quand même qui me met en stress. Hein. Donc, à chaque fois que j'aiguise mon arme, bah, je me prends des coups. Hein. J'ai pas le choix. Faut que je reste en tranchant blanc. Le tranchant bleu, ça ricoche. Supernova, c'est parti. Donc là, la supernova... Donc là j'ai préparé des méga potions mais normalement viande d'Astera. Hein, donc du coup mais je préférais quand même prendre des méga potions au début parce que la viande d'Astera je peux pas retourner au campement. Hop regardez je prends un petit peu de vie. Vous avez vu comme ça pique hein. Les dégâts sont multipliés par 10 à peu près hein, quand tu l'as pas cancel. Hein, tu meurs en 0,1 seconde. Hein. J'ai testé c'est un truc de ouf. Hein. Donc j'ai pris pique-assiette aussi. Pique-assiette carnassier pour une simple bonne raison on peut pas retourner au campement. Donc du coup je vais quand même manquer de soins au bout d'un moment. Donc je me la suis joué un petit peu support quand même pour moi-même. Donc ça fait le taf hein, quand même, après il y a peut-être un meilleur stuff possible, effectivement, peut-être plus de dégâts, je sais pas, mais en tout cas moi, ça a fonctionné pour moi, ça peut être fonctionné pour vous. J'aime quand même bien me la jouer avec un petit côté défense quand même de disponible. Hein. Pas tout miser sur l'attaque, parce que quand on mise tout sur l'attaque, si ça se passe pas bien, vous savez que c'est l'échec quoi, donc là du coup moi j'ai quand même le droit à l'erreur. Heureusement qu'il y a le bouton partage sur la PS4 pour capturer une vidéo du coup sur la PS4 Pro, là c'est quand même vachement pratique parce que du coup je vous ai dit, hein, j'avais pas prévu la capture de cette vidéo parce que c'était vraiment dans mes tries en fait hein, de gameplay. Je me suis dit tiens finalement c'est passé, je vais faire une petite vidéo quand même pour montrer aux abonnés avec quoi je les tue, ça peut les aider. Et puis le stream, je vous dis je pense samedi hein, pour vous laisser au moins quand même un petit peu plus de temps. Donc là je suis étourdi hein. Du coup j'hésite des fois, le palico de soin m'a quand même bien aidé, mais après des fois je me dis est-ce que le palico avec l'outil corail m'aurait pas aidé aussi avec l'anti-stun, d'autres trucs aussi, je sais pas, faut que je teste du coup maintenant d'autres... Après la vitaguêpe est quand même pratique, hein. Des fois en plein combat il me mettait une vitaguêpe, regardez, il met une vitaguêpe là, hop je suis full life, donc ça c'est quand même, il y a quand même un plus quand même. Par contre faut que je up l'outil de vitaguêpe. Hein. Si je peux avoir une vie en plus supplémentaire, ça peut être cadeau quoi. Mais c'est un combat stressant, hein. C'est vraiment un combat éprouvant. Parce que du coup, tu penses toujours non seulement à tes morts, donc il faut pas que tu meurs, et à la supernova. Tu te dis merde, est-ce que je vais le cancel? Est-ce que je vais le cancel? Si tu le cancelles pas, t'es mort quoi. Je veux dire, donc ça c'est quand même un peu flippant. C'est vraiment. C'est pas comme le Behemoth. C'est la première fois dans Monster Hunter qu'il y a cette mécanique. Mais vraiment, la première fois. Le Behemoth, c'est pas pareil, on peut se cacher derrière une comète. Donc c'est pas pareil, c'est du one shot, mais il y a un moyen de survivre, c'est de se cacher, d'accord. Le Safijiva, il faut se cacher aussi derrière un petit caillou. Donc ça c'est le truc de one shot, mais avec une mécanique où on se cache. Là ici c'est une mécanique, si on fait pas le montant de dégâts élémentaires, en plus donc ça limite le gameplay vraiment aux armes élémentaires, et ben vous êtes one shot. Donc du coup voilà, c'est faut prendre ça en compte. Hein. Ah, je peux crafter le katana d'ailleurs de faire l'Atreon, on ira voir toutes les armes après, on ira faire le tour de tout ça. L'armure à l'Atreon, on verra tout à la fin de cette vidéo. Et je vous laisse commenter par rapport à mon gameplay, hein. J'étais un petit peu en stress, j'ai pris les nageurs de poissons aiguiseurs avec moi. Ça m'a bien aidé, ça que assez trempé hein, pour avoir le tranchant blanc qui reste. Parce que là, du coup j'ai plus le tranchant illimité, hein. Je suis full Safijiva. On ira voir mon stuff, on ira voir le stuff à l'Atreon, on ira absolument tout voir. Vous avez vu lance-flamme, boule de feu qui explose et qui se répand en fait à quatre endroits. Il vous balance de la glace, il vous balance de l'eau aussi, de la foudre.
Donc la foudre, c'est une attaque verticale, horizontale, ça change un petit peu. Donc là, il faut comprendre un petit peu le pattern du combat. En plus, là, mon arme n'est pas améliorée maximum. J'ai pas pu la transcender au maximum, j'ai plus trop ce qu'il faut. Donc la grosse explosion. Là, j'ai fait un saut de l'ange, voilà. Moi je suis content de revoir la Latreillon sur le jeu, hein, personnellement. Par contre, c'est vrai que je m'attendais quand même pas à un truc comme ça. C'est vrai que du coup, ça enlève un petit peu le fun du combat, je trouve. Voilà, je viens de le cancel. Ça se fait, hein, c'est pas ça le problème. C'est juste que je trouve quand même que limiter le gameplay, c'est un peu dommage quand même. Et le one shot, sauf que je suis pas très fan, hein, des one shot. J'avais été fan dans tous les jeux, les trucs qui one shot, comme sur les raids de MMORPG en général, sur d'autres jeux, ça marche pas. C'est pas incroyable. Donc du coup, voilà, encore une fois, faut prendre en considération ce qu'ils nous ont mis comme contenu et faire comme les développeurs ont décidé. Donc du coup, voilà, prendre une arme élémentaire, c'est obligatoire, et puis essayer de faire le plus d'éléments possible. Là, faut vraiment focus le plus d'éléments possible sur votre stuff. Et là, ça passe. Par contre, ça passe, hein. C'est vrai que quand t'as pas mal d'éléments, quand même, là, ça picote, hein. Et moi, je jouais jamais éléments. Donc j'ai dû faire plein d'éveils d'armes Kul'Tarov à l'alchimiste. Bon, justement, j'essayais de choper une arme dragon, j'en avais pas. Un peu compliqué, quoi. Parce que moi, je joue jamais élément. Hein. Je sais pas si vous jouez élémentaire, mais moi, j'ai toujours joué explosif. Donc voilà, après, élément, pour moi, c'est pas un truc de ouf, quoi. Mais là, vu que c'est obligatoire, bon, bah là, du coup, effectivement, là, il faut le faire. Hein. Et pas facile à grappin aussi, hein. Il est pas facile à grappin. Je vais lui péter une corne là. Donc il y a deux cornes à casser. Hein. Donc la boule de feu, regardez, donc là hop, ça se répand un petit peu. Et ça explose après coup. Donc c'est traître. Hein. La boule de feu, on peut pas faire l'esquive par exemple parfaite du katana. Parce que si tu fais l'esquive, tu reviens dans le feu qui explose. C'est comme le rage engorage. Regardez, donc là c'est cool, hein, j'ai le stun avec les capsules gluantes. Ça c'est quand même vachement puissant les capsules gluantes. Hein. Ça c'est un truc de ouf. Je tape presque à 200 sur lui. Hein. Regardez, il a 206, 230, 457 points de dégâts. Hein. Waouh, ça picote. Hein. Donc il est très sensible, hein. Il est vraiment très sensible au dragon. Quand je vois ça, c'est quand même plutôt pas mal. Donc la pique assiette, ça m'a bien aidé, pique carnassier aussi. Hein. Donc la supernova à nouveau, donc aussi je prends la bouffe d'Astera, hein, pour vous montrer justement. Regardez, je vais prendre la boule d'Astera, tranquillement. Donc je la cherche, hein, parce que elle est pas bien placée. Hop, regardez, viande d'Astera. Hop, une fois. Deux fois. Et on est bon. Avouez que c'est quand même plutôt stylé, cette viande d'Astera, quand même. Là, pour le coup, c'est conseillé. Hein. Obligatoire, hein. Vraiment obligatoire. Donc vous pourrez faire le même stuff que moi dans cette vidéo. Je pense que ça devrait passer pour vous, si vous jouez Katana. Après, pour les autres armes, je sais pas trop, hein. Moi j'aime bien jouer Gunlance, mais la Gunlance contre lui c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé y aller à la Gunlance. Je connais des potes qui jouent Gunlance là, ils vont devoir jouer une autre arme. C'est la première fois qu'il y a un monstre qui impose d'autres armes, quoi. Je veux dire, quand même c'est un peu bizarre quand même. Je suis toujours content que mon katana fonctionne toujours bien. Ça par contre, mon katana fait le café. Hein. Alors après c'est un combat, faut pas trop rager, hein. C'est-à-dire que moi hier j'ai testé à 2h du matin, là, quand j'ai testé le monde, je me suis dit waouh, c'est abusé et tout. Après je me suis mis en mode, bon on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, ça sert à rien de rager quand même. Je me suis dit bon, je suis allé un peu sur Reddit voir un petit peu ce qu'il disait, j'ai vu arme dragon, faut vraiment jouer élémentaire. Après j'ai arrêté de me dire en mode on y va pas aux armes élémentaires, je me suis dit on y va, c'est obligatoire, c'est parti, on va changer le gameplay comme ils veulent. J'y suis allé avec l'arme Xynogre Stygien. J'ai cancel une Nova sur 3 à peu près. Donc du coup ça passait pas assez. J'avais pas assez de dégâts. Donc la Gjarval, bah, je l'avais pas. Donc du coup j'ai dû faire des éveils à l'alchimiste. Et là enfin avec cette arme là ça picote. Par contre là c'est vrai que là ça marche. Donc j'avais pas assez d'éléments. Hein. J'avais vraiment pas assez d'éléments. Faut vraiment avoir quand même beaucoup d'éléments.
Ah, je vais pas tarder à mourir, je crois. Ah non, peut-être pas encore, Après, il faut dire que j'avais plus de soins aussi, hein. J'avais plus rien. Parce qu'on peut pas revenir au campement, hein. Pas de téléportogène, pas de plein de munitions. Enfin, si tu reviens au campement, mais si t'es mort. Donc, c'est un suicide, quoi, si tu veux retourner au campement. Donc, c'est pas non plus la meilleure des idées. Donc là, il va hurler, là, je me souviens. Ah, ça je m'en souviens parce que il m'a cancel mon brise-casque. Ça me rend dingue quand ça arrive. Ça. Tu places ton brise-casque, le truc, il se met à hurler, quoi. En plus, j'ai la cape temporelle, donc j'étais immunisé à tous les coups, quoi. Donc en tout cas voilà, on ira le faire en stream samedi vers 14h je pense, pendant 2-3 heures, ouais, donc essayer de venir équiper une bonne résistance élémentaire, une bonne arme élémentaire, de toute façon on n'aura pas le choix, hein, on n'aura vraiment pas le choix que de jouer full élément, hein, sinon ça ne passera pas. Alors peut-être qu'après s'il y a un gars peut-être qui n'est peut-être pas avec une arme élémentaire très impressionnante sur les 4, peut-être moyen de carry quelqu'un, c'est pas impossible, je sais pas trop, hein, faudra tester, j'ai pas fait encore en multi. Hein. Mais après voilà quoi, je pense qu'il faut vraiment jouer le jeu. Là faut jouer le jeu, c'est comme les raids hein, sur les RPG, les MMO RPG. Hein. C'est-à-dire que là, si tu fais la strat, ça marche, si tu fais pas la strat, ça marche pas en général. Hein. Donc là il fout le feu partout, hein. Ça picote, hein. J'ai une résistance élémentaire immense hein, pourtant. Puis son armure à la Latréon, elle est pas ouf. Je suis un peu déçu, hein. Je vous cache pas que je suis un petit peu déçu, c'est pas un truc de dingue. On ira voir ça après, c'est beaucoup de résistance élémentaire principalement, ça mise là-dessus. Donc là, je l'ai encore cancel, hein, vous avez vu, donc la super, hein, la supernova du coup, elle sera... Donc là, je loupe mon brise-casque, dommage. La supernova sera du coup affaiblie. Donc là, elle a bougé, pas de chance. Le brise-casque, en général, j'hésite à le faire. Hein. Des fois, je me dis, des fois, faut vraiment que le monstre bouge pas ou j'ai une bonne ouverture. Là, c'était pas le cas. Il me reste 5 méga potions. Hein. Merci au pique-assiette, hein, sinon j'étais déjà à sec depuis bien longtemps. Hein. Allez, talon activé en plus. Après, est-ce qu'en multi c'est plus simple? Je sais pas du tout. Hein. En multi, après, peut-être que ça marche mieux. Seul défaut, je dirais, c'est le côté zéro chance possible. Tu meurs avec la supernova, je veux dire. C'est le wipe complet de l'équipe totale. Ouais, forcément, là c'est 4 morts d'un coup. Hein. Alors qu'en solo, quand tu te prends une supernova, c'est une mort. Donc on est reparti sur une supernova de feu cette fois-ci. Donc viande d'Astéra, il m'en reste plus que 2. Donc je vais essayer de timer ça un petit peu tranquillement. Allez, j'attends un petit peu. Ça fout les jetons comme ça baisse hein, quand même. Hein. Ouh. Allez, on continue. Là, je vais pas tarder à avoir une mort parce que j'ai plus d'objets de soins. Hein, À force, là, ça. Vous savez, là, il m'a sauvé la vie encore, le chat. Donc, comme je me dis, comme la vita guêpe, c'est quand même pas dégueu. Là, pour le coup. Le côté vita guêpe, quand même, il m'a quand même bien aidé, le chat. Après, t'as quand même un côté aussi que l'outil de corail qui est très impressionnant. Donc, là, vous avez vu, là, ça fait des explosions multiples. Comme le Xenogiva. Vous savez où ça avance. Explosion qui avance petit à petit. Ah donc là je tape même avec la Cap-Titan, hein. Je me prends des dégâts mais j'ai quand même bénédiction donc 2 sur la Cap-Titan, bénédiction et 1 sur le stuff. Ah et puis croyez-moi c'est pas de trop. Donc là pareil, hein, là je regardais, j'ai plus de soins, j'ai que dalle. Hein. Plus que 2 méga popo donc là après quand t'as plus de soins bah là c'est la mort. Hein. Je vais mourir, je crois d'ailleurs. Je crois que je vais mourir là. Ah non, toujours pas. Mais du coup, ma mort, c'est pas grave parce que du coup, ça m'a fait faire le plein au campement que j'avais pas fait.
j'ai pu rebouffer. Très important de rebouffer, parce que si tu meurs trop rapidement, là, tu peux pas rebouffer, tu perds 15 éléments à toutes les résistances élémentaires avec la bouffée élémentaire de type G, que tu n'as plus. C'est terrible, hein. Ça par contre, là, moi je pense que si je meurs dès le début, j'en charge la quête direct, hein, parce que... Là, je suis étourdi. Du coup, l'anti-étourdissement que le chat met avec l'outil de corail me manque un petit peu, par contre, hein. Ça c'est clair. Du coup, je consomme tout ce que j'ai, hein. Poussière de vie... J'aiguise quand même mon arme parce que tranchant bleu, bah, je ricoche. Hein. À part dans la tête ou certaines parties. Imaginez la Latréon Alpha Suprême. Bon, allez, je déconne parce que là, les gens galèrent déjà. En plus, tu mets Alpha Suprême. Ouais, c'est un petit peu too much. Hein. Et là, ouais, j'ai fait l'esquive, mais tu retournes dans l'autre explosion. Ça, c'est des trucs traîtres. Hein. C'est comme le Rage Engorage ou la Slim sur le Brachydios Tempête. Hein. Tu fais une bonne esquive et tu te fais punir juste après. Alors là, j'ai plus rien. Hein. Plus de soins. Là, c'est la fin. Là, je pense que ma mort approche, hein, par contre. Et voilà, je me suis pris un jet d'eau. Ils lui ont rajouté l'eau, les mecs, quand même. Hein. Il fait tout, hein, tous les éléments. Le feu, la glace, l'eau, le dragon, la foudre. Il fait absolument tout. Donc si t'es sensible à un seul élément, tu peux être dans la merde rapidement. Hein. Si d'un coup, il passe à l'eau, que t'es à moins 15 à l'eau, ou je sais pas, là, ça picote, quand même. Donc là, je vais rebouffer. J'ai pas pris de potion ancestrale tout de suite. Hein. J'avais oublié, donc du coup, après, je vais la prendre un peu plus tard. Résistance élémentaire de type G. Elle est contente, la petite assistante. Elle me fait à bouffer. Et donc là, j'ai le temps de me buff parce que en plein combat, c'est un peu compliqué. Je vais pouvoir prendre les petites pierres qui sont là-bas. Immunisateur quand même, on sait jamais. Les petites pierres, est-ce que je les prends ou pas? Ah non, j'ai capsule gluante. Non, j'ai capsule gluante. Capsule gluante, c'est tellement bien. Tu mets ça sur un monstre, tu le stun direct un peu de temps après, quoi. Il picote, hein, quand même. Hein. Il picote et pourtant, je peux vous assurer que j'ai jamais vaincu, activé, là. Une bonne résistance élémentaire. Du coup, en multi, jamais vaincu, j'enlèverai. Hein. Parce que je pense qu'en multi, il faudra pas mourir, justement. Mais là, je suis vraiment mort parce que j'avais plus de soins. Hein. Pour ça, je pense avoir un petit support avec nous, ça pourrait être pas mal. Hein. Et hop, cancel le loi. Moi, j'étais très content de voir à chaque fois que je l'ai cancel. Hein. Je l'ai toujours cancel tout le temps. Donc ça fait plaisir. Hein. Franchement, ça fait plaisir. Faudra améliorer les armes après. Ça va être compliqué, je pense. Hein. Faut sûrement des perces ciel. Alors, j'ai pas trop vu le stuff qu'il donnait. Hein. Il y a sûrement différentes cornes. Enfin, je sais pas. On verra du coup, parce que j'ai pris les loots rapidement. J'aimerais même bien me faire le katana, hein. Le katana quand même à la Trion amélioré au maximum. On ira voir ça juste après, justement. Viande d'Astéran, on y retourne. Hein. Donc avec la viande d'Astéra, vous avez vu, ça fait rien du tout. Hein. Tu perds pas de vie. Ça, c'est quand même plutôt stylé. Donc là, maintenant, il est devenu de la foudre, hein, je crois. Je lui mets les capsules gluantes, là. Dans le doute, quand même. Parce que du coup, je savais pas... je sais pas si on voit la tête de mort. Je regarde un petit peu la mini-carte, du coup. Non, on voit pas la tête de mort. À la Tréon, tu es objectif principal complété.
Donc j'étais très content, vraiment j'étais très très content là. Alors les loots, je sais même pas quel loot j'ai obtenu, tellement que j'étais... J'ai essayé de capturer la vidéo rapidement juste après. Mental Atreon, du coup j'ai obtenu une aile du désastre. J'ai obtenu une mante encore. Une serre du tourment. Et là je crois que c'est la fin de la vidéo, hein. Ouais j'avais coupé directement ici. On va retourner du coup sur le jeu tranquillement. Très pratique hein, ce système quand même de capture de la PS4. Hein. Donc du coup voilà je suis de retour sur ma petite partie tranquillement. Hein. Et le stuff que j'utilise, hein, il est ici. Sabre Gjarval, Couronne Saphi Jiva, Côte Saphi Jiva, donc tout le stuff Saphi. Talisman Dragon pour faire le dragon de niveau 5. Cap Temporel, Cap Titan. Donc... On a dragon là, alors pour faire le dragon, je suis qu'au niveau 5. Est-ce que niveau 6 ça augmente encore un peu plus? J'ai pas trop testé. Après, j'ai pas d'emplacement de joyau aussi. Hein. Je crois que là, j'ai mis tout ce que j'avais comme joyau disponible. Malheureusement, c'est pas la folie. Du coup, 710 c'est quand même un élément dragon. Après, ça fait le taf hein, déjà de base. Donc, j'ai pas eu de soucis. Donc, peut-être pas besoin de mettre non plus encore un point dans le profondeur de dragon. Là, ça m'étonnerait quand même. Afflux de vie, Nifuge, Antigel, Paratonnerre, Aura Draconien, Berserker 3, Invulnérabilité de niveau 3. C'est sur le stuff. Totem élémentaire 2. Ça sert à rien. Je suis anti-fléau en général. Bon, on sait jamais si on meurt. Mise à mort de niveau 2, carnassier de niveau 2, jamais vaincu, pique assiette, bénédiction 1 et 2 sur les capes, acier trempé pour que le tranchant reste illimité, rage élémentaire c'est sur l'épée, et quand je prends de la bouffe de type G, on va vous montrer ça tout de suite. Donc tout le monde veut me parler hein, pour me féliciter j'imagine, parce que là je viens juste de le tuer, hein. Je viens juste de le tuer, coupon gourmand. Je regarde, 45 au feu, 20 à l'eau. Donc l'eau, vous avez vu, c'est ça qui m'a tué hein, d'ailleurs, hein. L'eau, ça picote. Hein. Même avec 20 de résistance, vous avez vu, ça picote. 40 à la foudre, 40 à la glace et 30 au dragon. Voilà, donc ça fait le café, en tout cas, ce stuff-là marche plutôt pas mal. On va aller voir le stuff maintenant de la Latreo. On va aller voir le stuff ensemble. On va voir toutes les armes aussi, hein. Toutes les armes une par une, je vais vous les montrer. Il n'y a pas de souci. À Latreo, donc, de niveau A. Voilà le skin. Ah, le skin est beau, hein, le skin est beau, il n'y a pas de souci là-dessus. Divinité à l'Atreon, l'attaque élémentaire de votre arme augmente en proportion de votre résistance élémentaire. Donc je sais pas, il faut tester. Hein. Divinité à l'Atreon, résistance élémentaire plus 20%. Bon, je suis un peu mitigé là-dessus, je sais pas, c'est pas un truc de ouf pour moi, mais bon. Pouvoir de dragon de niveau 6, du coup, c'est le stuff donne 4. Mon collier, il compte pas, hein, oubliez-le. Machine de guerre 3 et 4, d'accord, ça donne 7 direct. Vengeance 5 direct. Afflux de vie. Pareil, puissance absolue, aura draconien, pareil. Bastion, ça donne 3 aussi. Maître d'armes 2, d'accord. Et le B. Ouh, le B est un skin un peu bizarre. Machine de guerre 6, profondeur de dragon, non, ça s'en oublie. Vengeance, 4, afflux de vie. Afflux de vie, ça c'est quand même intéressant. Hein. Aura draconien, bastion, maître d'armes. D'accord, d'accord, d'accord. J'aurai le stuff maintenant, jouer au type 4. Type 4, type 3, type 4, type 4, type 4, type 2. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air quand même intéressant. Après, le conversion élémentaire, gardien élémentaire, c'est pas des trucs de ouf, moi je trouve. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Faudrait tester l'armure. Ouais, il faut quoi pour la crafter d'ailleurs qu'on regarde ensemble. Des palliums à l'Atreon, mante à l'Atreon, conquérante des cieux, serre de tourment. Une sphère dragon azur, bah ça j'en ai pas, hein. Bah, conquérante des cieux, il semblerait que c'est les cornes, en fait, il semblait qu'il n'y a pas de plusieurs cornes différentes, comme sur Monster Hunter 3. Monster Hunter 3, t'avais les perce-ciels brisés, t'avais les perce-ciels réels. Fallait casser les deux cornes pour les obtenir, donc du coup, je sais pas trop. Les armes, grande épée, c'est parti. Fait plaisir de revoir les armes qu'on avait sur Monster Hunter 3. Hein. Tranchant violet de base, 1200 de dégâts, dragon 600. Alors moi, je m'y connais pas trop en... En gros CP, donc niveau élémentaire, je sais pas ce que ça vaut vraiment. Ah bah ça, c'est déjà mieux que le... Ah ouais, mais il l'a pas amélioré, là. Mais attendez. Ah si, c'est quand même pas mal. Je pense que les armes sont quand même pas dégueu, hein, niveau dragon, quand même. 825, 510. Épée à l'Atreon. 350, 450. On peut les améliorer, les armes. On ira voir ça après. Lame double à l'Atreon. Les armes sont belles, hein. ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool que les armes soient jolies. Le marteau. Marteau à l'Atreon. Je peux le crafter si je veux. 630 de dragon, 1300 en attaque.
Donc je vais se commenter hein, pour les armes. Hein. Harmonie à l'Atréon. Faut que je vous montre les mélodies peut-être. Auto-amélioration, onde sonique, bonus résistance fléau, bonus attaque élémentaire, anti-fléau, protection. Oui, onde d'écho, dragon, bonus efficacité élémentaire. D'accord. La lance. Ah, le bouclier est stylé. Hein. La lance canon. 540 de dragon, type de canon frag. Niveau de canon, niveau 7. A voir après une fois amélioré, encore une fois. Hein, les uns peuvent être améliorés. Donc du coup, quand on voit ça comme ça, il faut bien penser qu'il y a une amélioration derrière. Attendez, c'est ça? Ah oui, morpho H noir, 510 de dragon, fiole élémentaire. Bon, moi, écoutez, moi j'ai bien envie quand même de faire les armes à l'étrayon, parce que moi, c'est des armes que je kiffe quand même, donc... Fiole élémentaire aussi. Bien envie de tester un stuff full à l'Atréon. Moi, je vais le farmer de toute façon. Je vais le farmer à vie. Je sais que je suis un peu mazo, mais je vais aller le tabasser quand même. Je vais aller me le faire. Ravage à l'Atréon. Je vais vous montrer les munitions. Alors, de souvenir, les munitions à l'Atréon, on peut tout utiliser normalement. Alors, je vais voir si ça, ils ont gardé ça. Tir rapide. Incendiaire, aquatique, bah ça c'est intéressant. Ça, un ravage à l'Atréon, je pense que ça peut être pas mal comme fusil arbalète. Toutes les munitions élémentaires en tir rapide. Munitions normales 1 aussi, d'accord. En plus, l'arme peut être améliorée, il semblerait. Aile du chaos. Info munitions. Alors, incendiaire, aquatique, cryogénique, food. Donc pareil, on peut tous aider tous les éléments. Hein. L'arc maintenant, pour ceux qui aiment bien les arcs. 450 de dragon, 300. Ok, fiole de combat, fiole de force, paralysie, sommeil explosif. Donc écoutez, ben, je sais pas trop. Hein. Je vous laisse réagir à vos armes que vous utilisez vous. Qu'est-ce que vous en pensez en voyant ça dans les commentaires. Nous, on va crafter du coup la pioche. Enfin, pas la pioche, je veux dire la faux. Et on va essayer de l'améliorer. Ah bah attends, je peux l'améliorer? Ah non, je peux pas. C'était illuminé, je croyais. Conquérante des cieux, il m'en faut une. Et une sphère dragon azur. Bon, niveau... Ah, le tranchant est pas mal. Hein. 924, 660. Et le tranchant violet est quand même pas dégueu. C'est quand même pas mal. Quoi. Par contre, du coup, moi, sur mon stand entrée, quand même, t'avais les armes quand même qui avaient le tranchant violet au maximum sans avoir besoin d'artisanat. Donc là, du coup, c'est pas le cas. Je suis un petit peu déçu là-dessus. Non, par contre, il y a deux joyaux. Hein, deux joyaux. Saut des anciens bas. Ah, ça, c'est un peu dommage. J'aurais quand même trouvé ça normal que le saut des anciens soit très élevé. Vu que c'est quand même une arme à l'Atréon de dragon ancien. Donc ça, je suis un peu déçu là-dessus. 924. Il y a un bon boost hein, quand même. Hein. Moi, je vais la faire, hein, cette arme-là. Je vais la faire, 924-660. Comparé à mon arme, 924-660. Et ben, je crois que c'est mieux que mon sabre Xjarval. Hein. Ah oui, mais mon sabre Xjarval, il a rage élémentaire. Et donc, je crois que ça joue aussi. Ah ouais. Bah écoutez, je sais pas trop. Je sais pas trop, je vous laisse en commentaire vraiment réagir à tout ce que je vous ai montré, le combat, la supernova, est-ce que vous trouvez le combat fun, est-ce que vous trouvez les mécaniques intéressantes, est-ce que vous aimez le côté one-shot, est-ce que ça limite le gameplay, est-ce que ça vous saoule ou pas. Moi, bon, je suis pas très fan, j'ai joué le jeu, voilà, je suis clairement, hein, j'ai joué le jeu, je me suis dit, bon bah il faut ça, je vais faire ça. Je me suis pas posé de questions, je me suis dit on va prendre un stuff full élémentaire, on y va, on try. J'ai fait quelques essais, quand même une bonne dizaine, et là j'ai trouvé un truc plutôt pas mal qui a l'air de fonctionner. C'est mon stuff qui est ici, hein. Donc voilà, hein, Sabre Xjar, Couronne Safijiva, hein. Avec les petits joyaux qui vont bien, Inifuge, voilà. Hein. Je vous montre les joyaux, hein. Attendez, joyaux du Parasite, voilà, joyaux du Parasite. Régénération, vous voyez, il n'y a même pas transfert de maximum l'arme, tellement que j'ai pas pu le faire. Inifuge 3, vitalité, vitalité, antigel 3, courage, isolant 3, faiblesse, carnassier, draconien, carnassier, faiblesse, bénédiction, trempe, vitalité, talisman du dragon qui donne 5 direct. Et donc du coup je suis juste à 5 en fait. Hein. Attaque dragon plus 20%, attaque dragon plus 100%. On va quand même tester, hein, 710. On va quand même tester, mais je suis pas sûr que ce soit ouf. Qu'est-ce que je peux virer, moi, quand même. Problème, c'est que tout m'est utile, en fait. Hein. Là, je suis vraiment dans un truc... Là, vraiment, tout m'est utile, en fait. On va quand même mettre un truc...
Où es-tu? Profondeur de dragon. Écoutez, je sais pas, je peux aller tester au pire, mais là du coup j'ai plus j'ai carnassier 1 du coup. C'est pas la folie. Écoutez, je sais pas. Il faut aller tester, et puis du coup, est-ce que l'arme dégainée, est-ce que c'est pas mal après? Il faut vraiment que je vois. Donc voilà les amis, écoutez, petite vidéo pour vous montrer un petit peu tout ça. En tout cas, bon, ça fait le taf, hein, ce stuff. C'est un peu chaud, hein, par contre, le combat, effectivement, il est un petit peu compliqué. Mais bon, ça marche quand même. Allez, je vous dis à la prochaine, en tout cas, les amis. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires, un maximum de pouces bleus. Je vais essayer de le try encore pas mal de fois. Et puis après, on fera un stream tranquillement. On essaiera de voir qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble. Allez, ciao, ciao les amis.